Eh bien le bonsoir les petits potes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui avant de commencer la vidéo de boutique habituelle. N'oubliez pas de laisser un gros pouce en l'air, de vous abonner et de mettre le petit code créateur juste au milieu de votre écran. Et normalement aujourd'hui il aura eu normalement le skin Loser Free que je vous ai présenté dans la vidéo il y a plusieurs semaines. Mais vu que vous savez que Epic Games pour lui annoncer quelque chose ou pour dire qu'il va avoir quelque chose, en Amérique on a 6 heures d'écart. Donc ça veut dire quand ils ont dit qu'il allait sortir le 3 juin en France, on sera du coup le 4, parce qu'en Amérique ce sera du coup ce soir. Normalement il y aura probablement le skin Loser Free ce soir, qui est demain du coup. Bah, bref, vous avez compris, on a un jour décalage avec les Américains. Bah, normalement ce soir on n'a pas le skin Loser Free, qui est le skin féminin que je pense que beaucoup attendent sûrement avec ses danses et tout ça. Ce sera du coup prochainement. De toute façon, quand ils en sortiront, on le saura de toute façon. Sur ce, c'est parti pour la petite boutique d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a rien de nouveau apparemment. On a le retour du skin Vénard avec ses deux petites custom à 800 V-Bucks, qui est plutôt plaisir. On a également le retour du skin Opportun, également lui aussi avec deux petites custom à 800 V-Bucks. Franchement, c'est très stylé. Moi, j'aime beaucoup les nouvelles custom qu'il y a eu déjà il y a un petit moment maintenant qui sont là. Mais voilà, vous les connaissez, les sacs à cadeaux. Les sacs à cadeaux qui vont avec les skins également pour 200 V-Bucks. Vous avez également celle-ci, la petite pioche à 500 V-Bucks, qui est très stylé en soi. Et pour finir, ce sac à dos là qui va avec le skin aussi à 200 V-Bucks. On a également le retour du skin Saucer Fou avec son sac à dos du coup et ses deux petites custom. La première puis la deuxième, qui est d'ailleurs très stylée, pour 1500 V-Bucks. Vous avez également la version Burger pour ceux qui ne l'ont pas, avec aussi deux custom, version pareille que le skin Tomate, avec son sac à dos. Vous avez également la pioche qui va avec, la spatule de chasse, 800 V-Bucks. Vous avez également la roulette rouillée, également pour 800 V-Bucks. Normalement, on est bon pour cet ensemble. On a également le retour du skin Oblivion, ça veut dire qu'il ne s'est pas sorti en boutique, pour 2000 V-Bucks avec son sac à dos. Nous avons bien sûr le skin aussi version couleur un peu bleutée, cuivre un peu là, pour également 800 V-Bucks également. 800 V-Bucks, n'importe quoi moi. Pour 2000 V-Bucks, excusez-moi, je suis fatigué. Criteria du coup, pour le même prix que le skin d'avant. Le planeur Terminus à 1200 V-Bucks. Et pour finir du coup, cette partie de boutique, on a le retour du skin Vampire du coup, Sortium, qui est sorti il y a un petit moment maintenant. Sorti à la saison 6, je m'en souviens bien, parce que je l'ai acheté à cette époque là. Et j'avoue que c'est un des skins que j'aime beaucoup d'Halloween qui est sorti à cette saison. Du coup il coûte 1500 V-Bucks. On a également le retour du skin Désert, enfin du moins du spécialiste Désert, qui plutôt, voilà, ça fait un petit moment qu'il n'est pas sorti quand même, il doit rien. Sorti il y a déjà un petit moment, mais voilà. Moi ça fait un moment qu'il n'est pas sorti ce skin là. Également la petite de Pfiou pour le 200 V-Bucks, qui est très marrante d'ailleurs. Également le retour du skin Mécano, ça sort souvent un motif, mais de rien, pour 1200 V-Bucks. Je pense que vous la connaissez plutôt bien, ce petit skin qui est sorti il y a déjà plus d'un an maintenant. Le retour de la lance Old School, 500 V-Bucks. Et pour finir cette petite boutique avec mes potes, la petite danse des hanches festifs pour 200 V-Bucks. Du coup c'est tout pour cette boutique les petits potes. N'oubliez pas de laisser, comme je vous dis, un gros pouce bleu en l'air en bas de la vidéo, de vous abonner comme je vous ai dit tout à l'heure, et le petit code créateur que je redis juste à la fin, pour valider en majuscule ou en minuscule, c'est la même chose. Moi je vais jouer parce que je suis presque au level 300, et dès que j'arrive au level 300, je ferai une vidéo. J'espère pouvoir arriver avant cette nuit sûrement. Je vais rusher pas mal. Il me manque pas beaucoup d'XP, il me manque 62 000 XP, donc c'est rentable. Je vais y arriver. Sur ce, à ce soir, et ciao.